Un phénomène inédit s'est produit le 12 mai dans la sous-préfecture de Gueye-Bli, située à 18 km de Diokoué, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il s'apparente à un effet volcanique caractérisé par une diffusion de lave. Les échantillons constatés sont de couleur noire. Depuis, la peur s'est installée. À ce jour, j'ai entendu le bruit qui se produit jusqu'à ma maison à trembler. Et vers 14h, là, on a entendu toutes les maisons les trembler à cause des bruits de chaleur. Donc, ça se fait que tout le monde est sorti, on ne sait pas où ça s'est passé. C'est après on a découvert que c'est ici que le bruit est passé. Donc, ça fait tomber les poteaux. Donc, même chose là. Les bruits là, on ne sait pas où ça a quitté, mais l'essentiel c'était ici. Le 8, il y a eu un tremblement de terre. Et on aura appris par-ci, par-là, des gens disent que non, c'est le début du volcan. Présentement, où je vous parle, la population a apeuré parce qu'on n'a jamais vu ce phénomène là chez nous. Et comme nous ne sommes pas des techniciens en la matière, on veut savoir exactement qu'est-ce qu'il en est. Pour rappel, ce phénomène est apparu depuis une dizaine de jours, laissant les Ivoiriens dubitatifs. Au moment où nous diffusons cet article, aucune confirmation n'a encore été publiée ni par les spécialistes, ni par les autorités du pays.